Du coup, une courte présentation d'Esper, parce que le temps imparti ne nous permet pas de trop se disperser. Esper, c'est donc une plateforme qui a été initiée sur une émanation du PTSN et des acteurs locaux sanitaires et médico-sociaux qui souhaitaient que des pères aidants puissent exercer en extérieur, d'avoir un statut et une organisation extérieure aux structures médico-sociales et sanitaires, tout en se déployant au sein des structures sanitaires. Dans des principaux hôpitaux psy, notamment lyonnais, avec tout le à travers tout le maillage territorial du Rhône. Il s'avère qu'on s'est lancé 4 jours avant le démarrage du Covid et de la phase de confinement. Donc, nous avons fait une réunion de comité de pilotage pour voir ce qu'on pouvait faire et on a opté pour lancer une cellule d'écoute. Donc, avec humilité, en sachant qu'on n'avait pas eu de formation à l'écoute à distance et à la télépérédance. Donc, c'est une expérimentation qui s'est faite vraiment sur le terrain, sur des objectifs qui sont construits au fur et à mesure, mais qui nous ont permis de structurer quelque chose d'assez original et où on a eu un impact assez significatif au final. Voilà. Voilà. Je te laisse peut-être, Jennifer. Bah, ça, c'est notre flyer. Bah, enfin, après, je ne me suis pas présentée, mais moi, je suis père aidante au sein d'Esper depuis le mois d'avril. C'est ça, Yann, hein? Et donc, du coup, bah, j'ai commencé en plein confinement. Et donc, bah, assez rapidement, du coup, on avait construit ce flyers-là, qui a été très, très relayé par tous nos partenaires. On remercie beaucoup nos partenaires pour ça, d'ailleurs. Où, voilà, on expliquait bien qu'on était une cellule d'écoute et de soutien à distance. Et qu'on proposait ça aussi dans nos locaux pour l'après-confinement, par des pères aidants en santé mentale. Voilà, avec notre adresse, on est dans le 8e et on est partenaire donc, de la CPT. Binatier, l'hôpital de Saint-Cyr et Saint-Jean-de-Dieu. Donc le choix a été fait d'exercer ces missions dans nos locaux, en plein confinement, donc le télétravail était de mise. Il s'est avéré qu'en fait, on ne se sentait pas en fait, d'assurer un soutien téléphonique avec d'éventuelles situations, notamment de risque suicidaire, en étant chez nous. Ça ne nous semblait pas approprié, donc on préférait prendre un léger risque en ayant des locaux adaptés qui s'y prêtaient très bien, un par pièce. Voilà, pour mener à bien cette mission. Donc, on est la première cellule, enfin, on n'a pas fait une étude de marché très poussée, pour être honnête, mais apparemment, une des premières cellules d'écoute en Europe qui était entièrement en autogestion par des pères aidants professionnels, donc salariés. On a eu beaucoup d'appels entrants, avec des personnes, bien sûr, en souffrance, isolées, ou alors qui étaient dans un ennui profond. Une recrudescence des peurs, des doutes et des questionnements, notamment qui étaient propices à Monsieur Tout-le-Monde, bien entendu, mais encore plus exacerbés, bien sûr, chez les personnes avec troubles psychiques. Un vrai fonctionnement en réseau qui s'est fait en termes de com pour communiquer sur notre numéro et nos compétences, et aussi de notre côté, nous, dans ce qu'on essayait de faire en réseau, dans l'orientation des personnes. Donc les stats, montre clairement qu'on a eu un gros pic sur mars et avril, qui a été en déclinant sur les appels entrants entre mai et août, parce que là, c'est donc les stats de mars à août. On peut voir aussi qu'on a eu quand même entre 5 et 7% de proches aidants. Donc, c'était intéressant parce que c'était des personnes qui, pour certaines, connaissaient l'UNAFAM, pour d'autres, non. Donc, pour certaines, appelaient plus spécifiquement pour avoir des pères aidants au téléphone, parce qu'ils savaient très bien qui on était dans ces appels-là. Peut-être quelque chose à spécifier, Jennifer, là-dessus, non, éventuellement. Non, non, mais c'est Pardon. vrai qu'on a reçu des appels justement de parents notamment qui étaient inquiets par rapport au diagnostic de leur enfant ou surtout par rapport au fait que le fait d'être en isolement, c'était très compliqué à suivre. Donc, c'était des personnes qui avaient besoin d'être, oui, rassurées en fait et d'entendre aussi le témoignage d'autres pères aidants qui étaient eux-mêmes concernés par le même trouble et qui s'en sortaient. Voilà. Voilà, donc ce qu'on a fait, c'est qu'il y a un moment où on est arrivé à faire des appels sortants et des accompagnements. Donc ça, on va l'aborder plus tard, mais ça représente aussi quand même, nous, on pensait pas que c'était spécialement des chiffres élevés, mais quand on a confronté, enfin, qu'on a vu ça un peu avec les autres plateformes qui avaient fait des services d'écoute psy sur Lyon, il s'est avéré qu'on avait parmi les stats les plus conséquentes, en fait, en termes d'appels entrants et d'appels sortants. Donc on était un peu étonnés, mais on était contents aussi. Et voilà, c'était notre petite fierté. Donc, Je te laisse voir. ouais, les objectifs qu'on s'est fixés. Ah, quelqu'un a essayé de parler peut-être? Non.
Bon, on a perdu Jocelyne. Donc, les objectifs qui étaient fixés, d'abord, bien sûr, pour le père aidant, être en phase avec la charte ESPER, puisqu'on a construit une charte avec, je crois, 11 commandements. En tout cas, des choses à bien garder en tête pour que la pratique se fasse de façon déontologique, on va dire. Ensuite, notre rôle, c'était donc bien sûr de rassurer et de tenter d'apaiser les stress et les angoisses générées par l'isolement, le fait de se retrouver seul, d'être dans. On se rendait bien compte que finalement, les personnes qui nous appelaient, c'est parce qu'elles s'ennuyaient et qu'elles se sentaient mal. Et le fait de savoir qu'elles pouvaient compter sur quelqu'un qui était disponible, en fait, rien que ça leur permettait de passer la journée plus facilement, de jour en jour, passer la période critique de confinement. Et donc, voilà, nous, on a mis être juste là, une écoute authentique pour quelqu'un qui n'a plus personne, parce que c'est exactement ce qui s'est produit. C'est simplement nous recevoir une personne qui se sent mal et qui a besoin tout simplement de déposer des choses alors qu'elle ne trouve plus d'autre espace pour les déposer. Encore une fois, dans l'expérimentation qui s'est faite sur le vif, ce qui est intéressant, c'est que ces objectifs, on n'a pas eu le temps de les créer au début parce qu'on ne savait pas à quoi s'attendre, en fait. Du coup, on les a créés en co-construction au bout de 2 semaines, 3 semaines de pratique pour canaliser et cadrer la pratique pour savoir concrètement jusqu'où on voulait aller notamment. Donc, informer avec les mots adaptés, ce qui est ressorti très vite, hein, c'est qu'il y avait les aspects techniques liés au Covid qui parfois n'étaient pas toujours bien assimilés ou qui étaient, c'était très flou. Il y avait quelque chose qui était très important pour nous de travailler avec les personnes concernées, qui n'étaient pas forcément demandeurs ou qui l'étaient très clairement et qui voulaient avoir vraiment… c'était aussi une porte d'entrée à la plateforme à des moments. On appelait pour ça et on abordait d'autres points aussi. Et donc là, l'idée, c'était vraiment au niveau père aidance, la plateforme de père aidance, c'était d'intervenir sur le pouvoir d'agir, de dire à la personne que oui, elle est en capacité d'appliquer ces choses-là et que les angoisses qui sont générées peuvent être surmontées. Et il y a différentes techniques qu'on ne peut pas aborder maintenant, hein, mais ça passait par un échange prolongé sur plusieurs appels souvent. On l'a vu, il y avait des rappels qui étaient effectués des personnes qui permettaient aussi de rassurer la personne à des moments… Voilà. Suivant, si oui, bah oui, pouvoir répondre au plus grand nombre d'appels. C'est vrai qu'on a reçu beaucoup d'appels. Il y avait beaucoup d'informations à digérer pendant le confinement et par rapport au Covid, par rapport aux mesures. Pour certaines personnes, ça faisait trop. Donc, parfois, on recevait des appels pour une personne qui nous disait « je ne sais plus si je dois sortir avec mon attestation ». C'était des points comme ça aussi sur lesquels on les a aidés aussi spontanément au départ. Et puis, bien sûr, après, on entrait un peu plus dans le… Voilà, dans le vécu de la personne, ou en tout cas dans ce qui fonctionnait pour elle ou ce qui ne fonctionnait pas, à lui donner des coups de pouce pour mieux s'organiser, des choses comme ça. Bien sûr, orienter sur les partenaires en prenant le temps de le faire. On avait créé donc un fichier qui s'est fait au fur et à mesure, hein, Yann, je pense, on a eu plein d'idées pour leur suggérer d'autres endroits où trouver de l'aide, en fait, tout simplement. Donc, que ce soit au niveau médical, bien sûr, hein, puisque en père aidance, nous, le but, ça, on restait orienté père aidance. Hein, c'est-à-dire qu'on, le but, c'était d'orienter et de faire médiation pour sensibiliser sur des services dont ils n'avaient pas connaissance ou des personnes typiquement qui nous appelaient en disant le CMP n'est pas joignable. Et on leur rappelait que s'il était joignable, c'est juste que peut-être les horaires avaient été un peu modifiés, qu'il ne fallait pas hésiter à laisser un message, qu'exceptionnellement, ils avaient cette façon de travailler. Donc, on se coordonnait aussi avec les CMP dans ces cas-là pour voir s'il y avait des soucis, des interférences dans le lien, quoi. Ça passait aussi basiquement, mais c'était très important par la facilitation d'accès à la communication pour des personnes qui étaient coupées au niveau technique. Il y a eu des temps aussi qui ont été consacrés à ça, de formation à distance aux outils. Objectif encore, donc repérer les personnes qui pourraient avoir besoin d'un ou plusieurs temps d'accompagnement en réservant ces appels, donc soit par Skype, soit au téléphone. En fait, c'est vrai que ça se remarquait, en fait. Il y avait certaines personnes qui pouvaient rappeler. Donc là, au tout départ, c'était ça, hein. Les personnes appelaient spontanément. Mais on a voulu proposer des temps privilégiés, en fait, pour des personnes qui avaient besoin de suivi, qui avaient besoin d'avancer sur des problématiques au plus long cours. Et donc, c'est comme ça qu'on a mis en place quelque part c'est comme ça que ça s'est mis en place, finalement, nos accompagnements individuels réguliers, c'est-à-dire hebdomadaires, un par semaine. Et souvent, sur les temps d'après-midi, on faisait ça. Et on avait aussi, on en a eu assez peu, on a eu trois cas, dont une vraiment avérée d'urgence avec propos suicidaires.
Donc, on avait mis en place ça dans les 7 premiers jours. On avait été formé par le centre prévention suicide pour voir comment repérer sur les échelles de risque et comment intervenir dans ces cas-là. Et donc, bon, bien sûr, le but, c'était de repérer ces situations en les explicitant, c'est-à-dire qu'on n'hésitait pas à demander à la personne en allant un peu plus loin qu'un simple propos un peu nébuleux. On faisait le job à ce niveau-là. Et faire médiation autant que possible quand c'est nécessaire, en prenant le temps de faire le lien, toujours bien sûr, avec la famille notamment. Quand la personne nous disait que, par exemple, elle était coupée de sa famille, on essayait de rapprocher un maximum en essayant de décortiquer avec elle, voir qu'est-ce qu'il y avait comme frein pour que le lien puisse se retisser. Et pareil pour ce qui concerne les structures médico-sociales, bien sûr. Ouais, moi, j'ai vu passer une question. Là, il y a quelqu'un qui pose la question de si on peut rappeler ce que c'est que être père aidant. Donc, du coup, on peut peut-être y répondre maintenant, parce que ce serait dommage qu'on n'ait pas compris. Mais en tant que père aidant, on est personne concernée par un trouble psychique. Donc, c'est en ça qu'on est père. Et aidant, c'est la posture d'aidant. Et on a, enfin, tous les deux une qualification. On suivit un parcours d'études, voilà, pour être qualifié de père aidant professionnel et être salarié, voilà. Juste un tout petit complément, et on a tous fait un cheminement de rétablissement dans l'équipe. Oui, c'est On a clair. une équipe de 8, 9 personnes maintenant, salariés à mi-temps ou temps plein, et on a tous un parcours de cheminement de rétablissement. Voilà, ça je l'ai déjà dit. Et voilà, sinon tu as dit tout le reste. Donc, qu'avons-nous appris de cette crise Covid? Bah, qu'une plateforme d'écoute, c'est utile. Vu les appels qu'on a reçus et le nombre de personnes qu'on voit régulièrement maintenant qui viennent dans nos locaux. Donc voilà, je pense que c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que le fait que les personnes puissent savoir que si elles ont besoin, elles peuvent parler à quelqu'un qui est disponible et qui en plus bah, comprend un minimum ce qu'elles vivent, je crois que c'est très aidant et que c'est un très beau projet. Notamment qui permet aussi pour un père aidant d'affûter, d'avoir des outils vraiment plus. On ne peut pas se permettre d'être dans l'approximatif. C'est-à-dire que sur l'identification des besoins et l'empathie dont il faut faire preuve, quand on est dans une relation téléphonique, on était forcément avec des zones de nébuleuses qu'il fallait expliciter, avec des. Enfin, y avait besoin de faire les choses plus à fond, je pense. Et ça nous a formés encore mieux pour le Ah présentiel. C'est le ressenti qu'on oui. a eu en équipe, en tout cas. Oui. Au niveau de la satisfaction, je ne veux pas passer trop de temps dessus. On a eu des indicateurs qui font ce qu'ils veulent parce que c'est 31 questionnaires, mais bon, sur 200 appels, c'est pas mal comme représentation. On a eu une large satisfaction d'écoute. Les personnes, un des mots qui revenait le plus, une expression qui revenait le plus, c'est qu'ils se sentaient soulagés après l'appel. Il y avait un soulagement général et qu'il y avait un mieux-être. J'ai crevé l'abcès, ça m'a rassuré, ça m'a remué de parler de moi, mais ça me fait du bien en même temps. Une ouverture, ah tiens, c'est une nouvelle base de réflexion aussi, suite à cette conversation. Au niveau du ressenti, côté bénéfique, on avait quand même 73% aussi, donc ils n'ont pas senti que c'était inutile pour la plupart. Et un chiffre intéressant, 70% qui souhaitaient rappeler. C'est-à-dire qu'on était rarement sur des appels uniques. On a eu une sorte des gens qu'on ne connaissait pas, qui ne nous connaissaient pas. On n'était pas, bien sûr, dans un cas de figure de personnes qui étaient accompagnées chez nous et avec qui, comme dans les GEM, par exemple, où on passait en travail à distance. Et là, il y avait un lien qui se créait, quoi. Intérêt de la père aidance à distance. Donc, on a noté qu'on avait une grande capacité de réactivité par rapport aux demandes, puisque bah, c'est immédiat. Ça permet de toucher des personnes qui sont éloignées de la psychiatrie, donc des personnes qui sont soit en rejet, soit qui ont coupé les ponts, soit voilà, ça peut toucher n'importe quel public en fait. Et c'est accessible pour des personnes qui vivent loin, enfin qui vivent loin des villes où voilà, on pourrait voir de la père aidance. Et qu'est-ce qu'on a mis d'autre? Diminution du temps de traitement des premières demandes. Oui, c'est clair. C'est Qui clair. n'est pas négligeable et ça a été observé dans pas mal d'endroits en France dans le cadre du Covid, paradoxalement, avec tout ce qui a été là, toute l'énergie qui a été mobilisée aussi, où on a optimisé les flux et le travail en réseau notamment. Diminution probable aussi, mais difficilement évaluable, des crises, donc vraiment Oui.
Oui, On est on a désamorcé utilisé. des crises. On a l'impression quand même, parce que ça a Ouais. été explicité très clairement, mais c'est difficilement évaluable, bien entendu, sur des statistiques. Et ça nous amène du coup, pour terminer bientôt, sur l'évolution du téléaccompagnement, c'est-à-dire qu'on continue, on a arrêté progressivement cette plateforme d'écoute depuis la fin mai, mais on n'a pas laissé les personnes comme ça, hein. Les gens qui continuent, qui voulaient quand même avoir un suivi, on est parti sur un transfert des appels réguliers, sur des rendez-vous d'accompagnement. Et ces rendez-vous, pour certains, sont restés au téléphone ou par Skype, parce qu'on en a très peu parlé, mais il y avait aussi des appels Skype ou WhatsApp. Après, on en a quand même fait assez peu à l'arrivée, et même quand ça continue maintenant, 3 mois après, au téléphone, ces accompagnements. Donc là, on n'est pas juste sur une appel de détresse avec un besoin de déverser une plainte, hein, on est vraiment sur des accompagnements de père aidance avec une optique rétablissement. On a quand même peu d'appels en visio parce que bah, l'outil pas forcément est bien à l'aise avec, ou alors pas accès à l'outil pour certains, ou aussi un anonymat, en tout cas relatif bien sûr, parce qu'on connaît nos noms et enfin on sait qui sont les personnes avec leur numéro et tout, mais une préférence pour un anonymat relatif. On a ressenti un peu ça aussi, c'est-à-dire que les personnes, pas avoir le visu, ça leur permettait de se livrer différemment et plus à fond peut-être. Ouais, puis c'est propre à chacun. Nous, par contre, on peut faire les deux. Voilà, c'est On personnel. laisse l'option, bien sûr. Exactement. Et donc, justement, c'est s'adapter aux demandes. Ils peuvent, donc, les accompagnements individuels par téléphone peuvent se faire aussi bien donc, auprès des personnes concernées qu'auprès des proches aidants. Donc, nous, bien sûr, spontanément, si les proches aidants ne connaissent pas l'UNAFAM, c'est notre réflexe, hein, ça, tout le monde a le réflexe. Et puis, on peut rester là quand même à côté. Et les rendez-vous, bien sûr, peuvent se faire donc, dans nos locaux. Ça, on l'a dit, donc on est dans le 8e. C'est vrai qu'en sortie de confinement, les personnes ont eu un petit peu de difficulté à venir parce qu'elles avaient encore un peu peur par rapport au Covid. Mais voilà, maintenant, c'est quand même assez ancré. Enfin, voilà. Les personnes viennent assez spontanément. Et donc le suivi se fait la plupart du temps, voilà, une fois par semaine. Et ça nous a permis du coup Généralement. aussi d'aboutir à des rédactions de plans de crise conjoints, des AIP. Ça, ce qui n'est pas négligeable quand même, c'est-à-dire qu'on a des personnes qui ont commencé à appeler en mars, avec qui on arrive à la rédaction d'un plan de crise conjoint 5 mois après en présentiel. Ça, c'est nos petites victoires dont on est assez content, ouais, parce que c'est du boulot qui s'est établi sur vraiment juste un appel qui relevait d'une plainte ou d'un besoin d'être là au téléphone et qui aboutit sur un vrai suivi. Et sur ce, nous vous remercions. Et voilà, nous avons un site internet qui est assez fourni. En tapant Esper, en général, Esper Lyon, vous tombez facilement dessus, où ça détaille bien l'éventail de nos possibilités de prestation et d'intervention. Merci de votre écoute. Merci beaucoup. Merci Jennifer Bouillou. Merci Yann Dante pour cette belle présentation de votre père aidance à distance. C'était une super idée, une première, vous nous avez dit, bravo, bravo d'avoir développé ça dans l'urgence, hein, parce que bien sûr, on a tous abordé la crise sans savoir ce qu'on allait faire, et vous avez ça très vite. Bravo, c'est très impressionnant d'avoir fait ça. Et on va vous poser maintenant quelques questions avec Pierre qui est au siège. Merci. Alors, première question pour vous, elle est autour du financement. Donc, d'abord, est-ce que vous êtes labellisé et financé par les ARS? Et quel est votre statut vous permettant d'être rémunéré pour vos interventions libérales, si vous en faites? Est-ce que c'est auto-entrepreneur ou un autre statut? Alors non, ce n'est pas une expérimentation libérale, j'espère. On est une association loi 1901. On a déposé un projet pour le fonds d'innovation organisationnelle. C'est un fonds d'innovation qui n'est pas forcément très connu, à part par les initiés, qui dépend du ministère de la Santé, et dont l'attribution après le versement des liquidités est gérée par l'ARS. Mais c'est vraiment par ce fonds-là qu'on est financé exclusivement et pas par une ARS locale. À terme, dans les 3-4 ans à venir, ce fonds a vocation à se tarir pour qu'on arrive à une tarification de nos prestations directement aux centres hospitaliers et aux cliniciens privés, et aux médico-sociaux aussi associatifs. Voilà, ça répond à peu près. Tout à fait. Question suivante qui a été beaucoup posée sur le chat. Acceptez-vous des appels de personnes qui sont en dehors de la région lyonnaise? Alors on l'avait mis initialement en plus là-dedans. Je te laisse répondre, Jennifer. Ben, en fait, c'est vrai qu'au tout départ, c'est l'association Esper, c'est sur le Rhône. Ouais. Donc, parce que c'est normal, puisque aussi c'est une question de là où les fonds ont été obtenus quelque part pour l'association.
de ce que j'en ai compris. Et après, ça nous est arrivé d'accompagner exceptionnellement certaines personnes, mais ça reste très rare. Ça reste très rare et on prend le temps sur un ou deux rendez-vous téléphoniques maxi. C'est-à-dire que forcément, là, l'accompagnement il est plus orienté orientation, sur, où on prend le temps de chercher avec cette personne qu'est-ce qu'elle peut avoir comme solution dans sa région, ou, parce qu'au niveau français, bah, comme vous le savez, il y avait une plateforme de pérédance qui devait aboutir. Elle est encore, apparemment, ça n'a pas abouti pour le moment, en tout cas. Et de notre côté, on n'a pas vocation pour le moment, en tout cas, à être présent sur le territoire français. Merci. Dernière question. Comment travaillez-vous et avez-vous travaillé pendant la Covid avec vos partenaires ? Alors, on avait les premiers partenariats étaient déjà tissés par des conventions, mais on ne se connaissait pas. Donc, on a appris à se connaître par téléphone et par Skype, vu qu'on a ouvert 3 jours avant, en fait. Donc, à la différence d'une assoce qui s'est déjà insérée dans son tissu local et qui a ses partenaires identifiés, des visages, des noms, des habitudes de travail, on a dû apprendre à travailler au téléphone et par mail. Donc, comment on a travaillé? On a appris déjà à connaître, parce qu'il fallait qu'on sache quel était le domaine de compétence de nos partenaires, parce que sinon, on faisait des orientations inappropriées. Donc, ça a été la première étape, c'est déjà de faire bien la liste. Bon, il y avait les partenaires officiels qui nous ont soutenus pour les financements et tout ça, et donc, dont l'UNAFAM. Et après, l'idée, c'était de voir aussi dans le tissu partenarial local quelles compétences étaient effectives. Donc, on les appelait souvent pour vraiment vérifier qu'on ne fasse pas une mauvaise orientation, si, notamment savoir si pendant le Covid, ils avaient gardé une ouverture de leur service, ou comment ils avaient adapté ça par téléphone, par mail pour leurs usagers. Voilà.